Pardonnez-moi, mais vous vouliez peut-être m'ouvrir la porte. Avec un flingue, un peu gros comme clé, non? Je crois que vous avez perdu votre clé, après vous. C'est drôle, vous ne réagissez pas comme une moine. J'imagine que si vous trouvez ça drôle, c'est que ça vous plaît. Parlez-moi un peu de ce fameux poignard d'Oxyane, si vous tenez à la vie. Ces portes attendent l'élu, le moment où il arrivera. Alors, la lame du poignard honorera enfin le cœur de ceux qui ont la foi. Et si vous ne faites pas serment de fidélité, vous aussi? Quel serment de fidélité? Au péché et au destin de Marco Bartoli! Finalement, je vais attendre un peu. Gianni Bartelli, Via Carnavale, Venise. Croyez-moi, les choses ne sont plus pareilles maintenant, hein? Un jour, tu vas prendre un PV à force de trop parler. J'ai comme une sensation au fond des tripes que... Vous faites fausse route en cherchant à cet endroit. Ouf! Ta foi est donc si fragile! Relax, respire lentement. Les tripes n'ont qu'une seule fonction réelle, Fabio. Ingurgiter et rejeter. Quelque chose était plus fort que l'instinct. Il possédait l'instrument, mais il n'était qu'un disciple dans sa conception. Et sa mort traçait déjà les chemins qu'allait plus tard suivre l'élu, son fils. Tu comprends? Garde la foi, Fabio, et oublie tes tripes. Nous cherchons bien au bon endroit. Je le sais. Je le crois, Marco. Bon. Eros, tu as réparé la glissière. Une des leurs. Mais vous êtes un moine. Frère Chan Barkham, vous êtes venu pour moi. J'ai vu une lumière brillante m'entourer. Des coups de feu. Et il me semble qu'ils étaient dirigés vers eux. Mais vous êtes mon guide, mon éclaireur sur le chemin de ma prochaine incarnation. J'ai bien fini mon temps ici, non? Qu'est-ce que vous faites ici, avec Marco Bartoli? Rien de tout. J'ai toujours vécu dans la vertu. Je suis ici pour des raisons ancrées au cœur d'un mal nécessaire. Car mon père est venu ici avant moi, quand il a envoyé le bateau de Gianni par le fond. Et voilà que je suis ici, que j'étais ici, pour empêcher son fils de reprendre le Séraph. Le Séraph? Vous ne connaissez pas bien l'œuvre de ma vie. Vous êtes sûr de ne pas être venu pour eux? Je crois qu'on n'entendra plus parler d'eux. Ils veulent le Séraph pour ouvrir un trésor malfaisant qui est dans notre monastère au Tibet. Nous n'avons plus la clé depuis son vol par de stupides vagabonds il y a plusieurs siècles. Il ne nous restait plus qu'à prier pour protéger le trésor. Mais un jour, l'infâme Gianni a retrouvé la clé.
Nous savions que les ennuis n'allaient pas tarder. Il a redonné vie à une ancienne croyance, quelque chose que toutes les prières du monde ne pourraient arrêter. Et cette croyance revit aujourd'hui. Marco, rongé par la folie et la vieux, mais il n'a pas encore le pouvoir de la satisfaire. Nous avons dû une fois de plus ressortir nos armes. Le seul vrai remède contre le mal. Que voulez-vous me faire dire ? Je croyais que j'avais ma chance, mais le changement fait du bien tout comme le sommeil. Et j'en ai bien besoin.